Ouais, ça fait un mois, c'est un mois sur la nouvelle tournée pour le nouvel album. Oui, à peu près 3 semaines, 1 mois. 12 dates, à peu près quinzaine, Ouais, c'est la onzième là, c'est la onzième. ça donne quoi en Écoute, c'est cool. impression? Ouais, c'est cool. On a la chance d'avoir trouvé le rythme d'une setlist hyper vite au bout du troisième concert. Et d'habitude, tu peux mettre, je sais pas, 20, 30 concerts avant de trouver. Enfin, nous, tout ce qui nous concerne, hein, avant de trouver un vrai rythme et tout ça. Et là, on l'a trouvé hyper vite. Et donc, ça nous propulse Ouais. hyper bien, quoi. Ouais, Toujours avec la patate. Bah ouais, tu sais, on envisage que comme ça, hein, avec le One, hein, sinon on reste à la maison. Hein, Non, c'est clair, c'est pour ça qu'on kiffe. Hein, c'est la vache. Et ça vient d'où, ça, d'ailleurs, cette patate sur scène? Ça vient des morceaux qu'on joue, de ce que le chanteur y raconte. Et à un moment donné, bah, c'est interactif entre nous, quoi. Tu vois, ça agit, ce que mes potes jouent, ça agit vachement sur moi, sur ce que je donne physiquement. Et moi, sur ce que je raconte, ça joue aussi sur eux, quoi. Donc, et puis après, il y a le côté interactif aussi avec les gens. Et tout ça fait qu'à un moment donné, oui, Grosse patate, hein. grosse patate. Grosse patate, c'est génial. Et justement, alors plus punk, métalleux, rocker, hard rock, on peut vous qualifier presque de hard, dans l'hardcore des fois. Non, ouais, ça c'est vrai. Nous, on dit on fait du rock énervé, tu vois, mais dans ce rock énervé, c'est vrai que y a des éléments un peu punk, un peu hardcore. Ouais, Ouais, carrément. c'est ça qui. Là, tu vois, on joue au Zénith de Pau, on joue avec les Shérifs, quoi, par exemple, tu vois. Ouais, et à vous. Et c'était bien, quoi, c'était un pur plateau, quoi, parce que. Finalement, eux, ils sont très punk, tu vois. Nous, on est assez rock énervé et tout, mais finalement, on arrive à se mêler, tu vois, souvent avec des groupes de punk parce qu'il y a, y a une. Je pense que quand on joue, il y a une attitude, on aime bien aussi le côté un peu imprévu, inattendu, tu vois, qui peut y avoir dans nos concerts. Ouais, le punk, c'est quelque chose qui est quand même. De temps en temps, on fait un petit morceau punk dans nos albums. D'ailleurs, dans Frankenstein, tu vois, on fait un morceau qui s'appelle What the Fuck sur Tron, quoi, tu vois, et qu'on chante avec. On a invité Nico Jones de Tagada Jones, qui chante avec nous. Et c'est typiquement un morceau punk hardcore, Ouais, c'est quoi. cool ça. Ça c'est cool. Et depuis le Hellfest, vous avez d'autres plans pour un prochain Hellfest ou un autre gros truc, un autre gros festival ou événement? Gros événements comme les stades qu'on a fait ou le Hellfest, non, mais. Ah, ça va être Motorhead et c'est d'ici. Ouais. Ouais, c'est d'ici. Ouais, il y a eu Guns aussi, on a fait 5 Zénith avec eux. Motorhead, c'était chouette. Ah, Ouais, Motorhead, c'était vraiment chouette, quoi. Lemmy était fatigué, mais il était encore un peu là quand même. Et puis, on a eu des super rapports avec Phil Campbell. Il a commencé à mettre un sticker de One sur sa gratte et tout. Non, on a passé vraiment des Une super future moments. collaboration avec lui, peut-être? Ouais, à un moment donné, on a eu envie de l'appeler pour qu'il vienne faire un peu un solo, tu vois, dans un de nos titres. Et puis, bon, nous, on était dans le speed et tout. Mais peut-être qu'on le refera. Hein. Ouais, c'est génial, bah ouais. C'est génial. Et du coup, Hellfest 2019, peut-être? Ouais, c'est possible. C'est possible. Ouais, je pense, ouais. Une Warzone, ouais, elle fait Ouais, ça serait bien. 19, ouais, sûrement. Bon, j'ai fait le tour. Top. Grand merci. Cool. Ah. Merci à toi.